Comment je me suis retrouvée dans un parcours de flammes jumelles, alors que je doute que l'expression soit appropriée? Pourquoi j'ai le sentiment que mon âme s'est reconnue dans le corps de quelqu'un d'autre sans que cette personne n'en soit consciente? J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans alors que je voulais explorer le polyamour. J'ai fréquenté quelqu'un d'autre qui l'était et son mode de vie me fascinait. Pour le garder dans mon giron sans être trop dérangée par ses soirées olé olé, je me suis mise en tête de me trouver un amant. Et c'est dans cette démarche que j'ai croisé cette personne que j'allais identifier bien plus tard comme ma flamme jumelle. Il n'y a pas eu les étincelles qu'on prédise un peu partout sur le net à notre première rencontre. Mais une semaine plus tard, ma défunte mère m'intimait l'ordre de lâcher mon libertin dans un rêve aussi bizarre que réaliste. Au réveil, évidemment, je comptais n'en faire qu'à ma tête, comme je l'aurais fait de son vivant. Et c'est là que j'ai entendu une voix d'homme que je ne connaissais pas m'informer que cette nouvelle personne serait amoureuse. Cette fois, je ne rêvais pas, je sortais de ma salle de bain. Quand j'ai réussi à écarter la question de ma santé mentale, parce que justement, je me la suis posée, j'ai décidé de mettre fin à mes aspirations libertines et de considérer la chose avec curiosité sans prendre d'initiative. Une semaine plus tard, on a eu une panne en pleine nuit au retour de notre deuxième date. On s'est retrouvés dans le même lit et une histoire passionnée s'en est suivie. La lune de miel a duré un bon 8 mois avant que tout parte en éclats. La veille du fameux « il faut qu'on parle » bien connu des couples en crise, j'avais médité demandant à être guidée. Je m'attendais à une guidance sur la meilleure façon d'arranger les choses. Mais la sentence a été sans appel. Dans un rêve lucide, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui avait mon apparence, mais de qui émanait une sagesse qui m'était tout à fait inconnue. Son message était bref, « tu vas être OK toute seule ». Ce rêve a acté la séparation et a lancé mon parcours de flamme jumelle que j'allais reconnaître un an plus tard. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis clairaudiente ou que je parle au guide à tout bout de champ. Des messages aussi directs et significatifs du genre, j'en ai reçu une dizaine entre février 2019 jusqu'au mois d'août de cette année. Le reste du temps, je dois me fier à mon ressenti. Qu'en est-il de mon autre? Au début de notre relation, quand je lui ai dit que j'avais reçu le message qu'il serait amoureux, il est parti fumer. Par contre, avant la grande séparation, on avait rompu 6 semaines sans se donner de nouvelles. Pendant ce laps de temps, monsieur avait eu l'occasion de fréquenter quelqu'un d'autre qui me ressemblait, selon ses dires. À la rigueur, ça aurait pu être une coïncidence. Mais qu'elle soit haïtienne et qu'elle s'appelle Natacha comme moi, dans une ville aussi cosmopolite que Montréal, c'était beaucoup de coïncidences d'un coup. On s'était tous les deux dit qu'il se passait quelque chose de bizarre entre nous. Mais à l'époque, aussi investie que j'étais dans mes connaissances et pratiques spirituelles, j'ignorais tout du concept de flamme jumelle. Dans mon ancienne vie, et mes ex peuvent en témoigner, l'idée de ne pas pouvoir tourner la page après 3 semaines d'une rupture me paraissait tout à fait absurde. Ce sont les symptômes qui m'ont mis la puce à l'oreille. J'avais déjà eu des peines de cœur par le passé, mais rien qui ressemblait à un trou qui m'aspirait de l'intérieur. J'avais déjà repensé à une ancienne flamme avec nostalgie, mais rien qui pouvait m'occuper l'esprit du lever au coucher du soleil. Que dire des douleurs dans mon plexus solaire? C'était comme si une main me broyait les tripes. Mes nuits ressemblaient à des champs de bataille où des réminiscences de vie traumatique avec mon autre se succédaient sous forme de rêves lucides ou de voyages astro-spontanés. À l'époque, je lisais beaucoup les livres de Dolores Cannon sur les régressions hypnotiques et j'étais convaincue qu'il s'agissait d'un contrat d'âme récalcitrant et qu'il fallait trouver la bonne formule pour m'en débarrasser et couper le lien énergétique pour de bon. En attendant, j'essayais tant bien que mal d'avancer. La rupture datait de 6 mois ou plus et j'avais fini par rencontrer quelqu'un qui, en apparence, me correspondait à tout point de vue. Sauf qu'au moment de faire de plus intimes connaissances, j'ai entendu un nom retentissant qui n'était pas de moi, et pas même d'une voix cette fois, mais de toute une chorale de l'intérieur de moi. Cette plaisanterie avait assez duré et je m'étais épuisée en rituel de déconnexion sans succès. Un vendredi soir, après une énième journée éreintante, j'ai eu la brillante idée de me rendre aux archives akashiques pour savoir ce qu'il en était. Comment on s'y rend? J'avais aucune idée, mais Google était mon ami, donc j'allais trouver le chemin. Par la magie des mots-clés, je suis tombée sur une vidéo parlant des archives akashiques et la youtubeuse a commencé par expliquer
qu'elle y a été la première fois accompagnée de sa flamme jumelle de l'autre côté du voile. Et là, le temps s'était figé. J'avais frissonné de tout mon être. J'avais réussi à suer en plein hiver et je savais que ma quête avait changé de direction. Je ne sais pas comment vous avez découvert votre parcours de flamme jumelle, mais dès que j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais, la peur avait remplacé l'incompréhension. La peur d'être passée à côté de quelque chose de spécial et surtout la peur de l'avoir perdu à jamais. Avec ces peurs, les pensées obsessives se sont accentuées. Où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Faut-il tout lui dire? Que va-t-il se passer? Et évidemment, beaucoup d'autoproclamés, médiums, thérapeutes, guérisseurs sur le net ont apporté leur élément de réponse à ces questions. Mais aucune ne semblait sonner juste pour moi et ce n'était pas faute d'avoir essayé. J'ai passé toute mon année 2020 à me gaver de tirages de cartes, de canalisation de messages de mon hôte qui m'annonçait bien sûr son retour imminent, de soins énergétiques pour nettoyer le karma, réveiller l'enfant intérieur, guérir mes blessures. La souffrance ne passait pas. Mon cœur était toujours pris dans un étau invisible. Plus j'expérimentais ce qui se partageait dans la communauté des flammes jumelles, plus j'avais l'impression d'avoir réussi à poser un diagnostic pour me rendre compte tout de suite après qu'il était incurable. En décembre 2020, j'ai reçu un autre message, toujours d'une voix masculine, mais beaucoup plus ferme cette fois. Et c'était assez clair. Le message disait, si tu étais centré, l'autre dont je tairai le nom n'aurait pas le choix que de revenir. C'est là que j'ai compris que j'avais les ressources en moi, mais pas les bons outils pour les exploiter. Et c'est en septembre 2021 que j'ai eu le courage de faire le sevrage de la communauté des flammes jumelles. J'ai arrêté les tirages de cartes au titre alléchant, les soins plus prometteurs les uns que les autres, et je n'avais plus besoin de recevoir de messages canalisés de mon hôte puisque j'avais pris l'initiative d'envoyer un mail à ce dernier lui expliquant le parcours, tout en lui demandant de ne pas me répondre avec son mental limité. Je ne vous cache pas que couper les ponts avec mon autre a été la décision la plus difficile de mon parcours de flamme jumelle. Et n'empêche qu'avec le recul, je pense que j'aurais moins souffert si je l'avais prise plus tôt. En décidant de le bloquer et d'effacer son numéro, je me suis fait la promesse de trouver les moyens de recentrer mon énergie. À ce moment-là, je m'en foutais d'être dans un parcours de flamme jumelle ou pas, qui avait une mission à la clé et un timing divin qui venait avec. Il me restait juste des symptômes bien précis déclenchés par cette séparation qui me pourrissait la vie depuis 2 ans et il était de ma responsabilité de m'en débarrasser parce que quoi qu'il se passe dans l'astral, le bien-être terrestre reste une affaire personnelle. À partir de là, j'ai reconnecté avec les enseignements de Adamus Saint-Germain du groupe Crimson Circle et c'était toute une expansion de conscience que j'aurais mis des vies à atteindre, notamment sur le fait d'être une âme dans ce véhicule physique avec lequel je m'identifiais jusqu'à maintenant, mais qui était loin de me contenir intégralement. Quand vous commencez à vous rappeler que vous êtes une âme, une conscience qui expérimente la dualité, vos blessures d'ego perdent en importance et la séparation devient illusoire, quand vous vous rendez compte que ça fait partie du jeu et justement, ça reste un jeu. Ensuite, par une série de synchronicités, je suis tombée sur des outils alchimiques qui m'ont permis de dire adieu aux pensées obsessives du jour au lendemain, de transmuter mes douleurs énergétiques comme par enchantement. J'ai exploré certaines pratiques qui m'ont permis de prendre de la hauteur et d'arriver à observer ce qui se passait dans le lien sans être ballottée dans tous les sens par les énergies. Je me suis rendue au stade d'être reconnaissante de la séparation car elle m'a poussée à explorer des voies peu fréquentées et à découvrir des ressources insoupçonnées à moi. Alors, pour ceux qui m'envoient des messages en privé pour savoir si je suis réunie avec mon hôte et éviter de m'afficher publiquement, non. Et je n'ai pas de nouvelles depuis une année et je ne suis pas pressée d'en avoir non plus car maintenant, j'arrive à fréquenter quelqu'un d'autre et c'est toute une expérience pour moi. C'est la première fois en 3 ans de parcours FJ que j'y arrive sans recevoir de messages dissuasifs, ni direct, ni en rêve et sans être mal à l'aise non plus. Donc ça reste une exploration. Je sais que le sujet fait polémique dans la communauté des flammes jumelles et si on m'avait posé la question dans ma nuit noire de l'âme, la réponse aurait été mon autre, sinon rien. Maintenant, j'ai l'impression plus vous allez vous rapprocher de votre âme, de votre vibration d'âme, tout ce qui rentre en résonance est attiré.
votre flamme jumelle, bien sûr, qui peut résister suivant votre historique, mais aussi les âmes sœurs rendues là. J'ai l'impression qu'on a le choix, en tout cas, c'est mon ressenti. Comment ça va finir? Je suis curieuse de le découvrir. Maintenant, le parcours est devenu une pratique qui me porte de synchronicité en synchronicité. Et c'est très agréable de se laisser porter par le courant, pour une fois. Cette chaîne YouTube en est un exemple. Jusqu'au mois de juillet de cette année, je ne savais pas que j'allais parler publiquement de flammes jumelles. Maintenant, ça me passionne au plus haut point. C'est peut-être paradoxal pour votre mental et vous me partagerez votre avis en commentaire. Je trouve que c'est plus facile d'être dans l'amour inconditionnel quand on réalise qu'on ne dépend pas de l'autre physiquement pour avancer. Évidemment, chaque parcours est unique et individuel. Je vous exhorte à faire preuve de discernement et à retenir de mon partage que ce qui résonne avec vous. Ce parcours de flammes jumelles a tout l'air d'une boîte de Pandore, telle que décrite dans la mythologie grecque. Une fois ouverte, elle est difficilement refermable. L'intention de mon coming out, parce que c'en est un à bien des égards, est de vous éviter de perdre votre énergie à tenter l'impossible. Je veux de préférence vous fournir des outils efficaces pour vous débarrasser de la souffrance afin de pouvoir apprécier le processus, incluant la séparation, comme si vous l'aviez choisi. Parce que oui, au niveau de l'âme, il semble que ça soit bien le cas. Maintenant, vous savez. La question qui reste pendante, si vous vous reconnaissez dans mon parcours de flammes jumelles, est celle-ci. Avez-vous réussi à reconnaître ce cadeau mal emballé? Avez-vous entamé le virage vers vous? Le virage vers l'amour de soi? Qu'est-ce que ce parcours vous a apporté jusqu'à présent? J'attends vos réflexions en commentaire. Ça a été un plaisir de partager ce petit moment très intime avec vous. Je vous donne rendez-vous cette semaine sur des vidéos courtes comme d'habitude. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite. Si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien en description. C'était Natacha, votre accompagnatrice. À bientôt.